Pleurez oiseaux de février, pleurez mes pleurs, pleurez mes roses. Eh, monsieur, eh, ça, là, c'est quand les pleurs des roses se mettent à gicler, faites attention. Armez-vous pas juste de patience. Armez-vous d'un imperméable, très imperméable, puisqu'un imperméable, quelquefois, ne peut pas l'être s'il y a un trou causé par l'épine de la rose. Et ce n'est pas l'épine dorsale, mais de la rose. Mais on sait que c'est beaucoup plus douloureux que lorsque l'épine dorsale nous fait défaut, que l'épine de la rose nous rentre dans le doigt. Pleurez mes pleurs, pleurez mes roses. Mais lorsque les pleurs, excusez-moi si je reprends là-dessus, là, c'est très important, je crois, là, dans la notion d'Émile Émile, connais-tu Émile? Moi, je connais le poète Émile Nelligan. Qui? Émile Nelligan. Ben oui, Émile Nelligan. Est-ce que c'est joyeux naufragé, là? Mais non, lui, c'est Gilligan. Ah, Émile Nelligan, c'est pas le fils à Gilligan? Bon, j'en sais pas. Admettons que Émile Nelligan et Nelligan, c'est temps de s'amuser, monsieur. Nelligan puis Émile Nelligan, on s'en lance. Mais lorsque les roses pleurent, là, c'est le matin. On appelle ça la rosée. C'est pour ça qu'ils disent « pleure mes roses ». Elles pleurent à la rosée, mais pas avant, pas après. Le matin, lorsque tu te... Mais il faut bien... C'est un peu... Ben, hey, Mame Turcotte, c'est à vous que s'adresse ce message. Là, lorsque la rose pleure, là, faut que vous soyez levé au moins vers 4h30, 5h du matin, là. À l'heure de la poulette. Avant même que celle-ci, cette délicieuse emplumée, émette un petit... Ça, c'est le cri de la voleur. L'as-tu entendu, hein? C'est bon, hein? On va la faire. Et puis là, le coq, là, quand il sent que sa poulette commence à vouloir pondre, là, il dit... comme un chien au début, hein? Là, il s'étire la plume, l'autre aile, la deuxième aile, les ailes, les six ailes, parce que ça six ailes, un coq, ça vit où, ça? Ça a des sous-ailes. Ben oui, ça a deux ailes générales et des sous-ailes très généreux. Ils ont le sous-aile généreux, eux autres. Hein? Là, ils font... Le poulet, là, regarde ça autour. Avec sa grande crête, là. Puis là, il monte en haut du poteau. Un merveilleux gros poteau pour coq. Puis avant que ce mec... Hein, fier d'avoir sa crête en haut du poteau, avant qu'il fasse... Voyons donc. Ah, moi, j'ai pas le côté coq. Hein. Mais en tout cas, la rose a déjà pleuré. Ouais, monsieur. Pleurez mes pleurs, pleurez mes roses aux branches du genévrier. Si vous savez pas... Si vous... C'est qu'un genévrier... Vrier... C'est un jeune ivrier, c'est un jeune qui est très ivrier d'être heureux. Ah, comme la neige a neigé, ma vitre est un jardin de givre. Ah, comme la neige a neigé, qu'est-ce que le spasme de vivre? Ah, tout l'ennui que j'ai. Ah, il fallait qu'il soit vraiment sur le bord de la dépresse, lui-là, là. Parce qu'on peut ressentir à travers un sillage aussi pénible, une enfance et un début de cloisonnement vers la société adulte qui le tient par les... Papa, oui, monsieur. Et puis, Ah, que l'hiver, bien, c'était bien sûr Gilles Vigneault. Hein? Ah, que l'hiver tendra passer. Ça peut aller plus loin. Hein? Oui, la fin, c'est bien. Attendez, c'est... je vais prendre le refrain. Ah, tu es dedans, le bon matin, le bon voyage, le bon matin. Je t'embrasse encore, mais est-ce que je vais la chanter? Avant de donner ma lettre à Jean, je veux te dire en post-scriptum que la maison, quand il n'y a pas d'homme, c'est comme un poêle éteint tout le temps. Je t'embrasse encore avant de signer. Ouais, ta dame d'amour, ta rose, ta Jeanne. Je t'embrasse encore avant de signer ta rose Jeanne bien-aimée. C'est beau, hein? Je t'embrasse encore avant de signer ta... Monsieur Gilles, excuse-moi, je ne veux pas massacrer ton œuvre.
J'ai jamais voulu faire ça. Je suis en train de la monter sur le poteau. Il va venir. Un autre qui va m'actionner. Le monde est injuste. Hein? Bon, on ne sait pas s'il l'aimait, mais en tout cas, on s'attend. On te souhaite, en 2010, très peu de tribunaux parce que tu n'as pas les moyens. Ah, moi, je n'ai même pas les moyens intellectuels, mais j'ai toi les moyens financiers. Ah, c'est l'absurde. Un autre qui va m'actionner. Qui ça? Le monde est injuste. Ah, très injuste. Très, 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 très injuste. Mais je sais pas qui, là, mais peut-être Tigil. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons. Parce que là, on peut pas marcher. On voulait emprunter... Attends, avance-toi, madame. Madame, avance-toi, madame. On voulait emprunter... Est-ce que je peux m'éponger comme Paverma? J'ai même le petit... C'est une éponge. J'ai le bouton collé. C'est un gag. Hey, mon Dieu, t'es asthmatique, toi? Ah oui. T'as-tu une pompe, hein? Non. Un autre qui va m'actionner. Ah oui, ok. La pompe va. Le monde est injuste. Ah, le monde est injuste. C'est qui? Est-ce que c'est la pompe? Je sais plus.